Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une page de Art Journal. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait ensemble. Donc, j'avais envie d'utiliser les chutes de ce bloc de papier, le bloc avec lequel j'ai fait la boîte album. Donc je ne vais pas reprendre de page 30-30. Je ne vais pas en réentamer de page. Je vais me servir des chutes qui sont ici, voilà, pour aller avec, je me suis sorti un petit washi avec des fleurs dans les tons bleus, des petites fleurs discrètes, voilà, j'avais envie de mettre un petit washi comme ça. Je me suis sorti une encre métallique de chez Action, la 80, la, oula, je vous le dis pas, c'est en anglais, je vais dire n'importe quoi, vous n'allez pas comprendre. C'est la numéro 80, un joli bleu métallique. Et je n'avais pas de die cut, de stickers. J'ai fait le tour de mes planches de stickers, mais dans les thèmes un peu japonais, asiatiques, etc., je n'avais rien. Et je me suis souvenue que j'avais la collection Sir Japan, Sir Vagabond in Japan de chez Stamperia. J'avais les papiers, etc. J'avais fait deux projets avec. Vous ne les avez jamais vus parce que c'était avant que j'ai ma chaîne. Et il me reste des die cuts et des chipboards que je vais me servir sur cette page. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé ma page Art Journal, dans une autre vidéo, je viendrai vous faire la CC qui est assortie. Alors, c'est parti. Donc, j'avais envie... Ah, puis, je me suis acheté enfin chez Action une souris. Voilà, c'est parti. J'avais envie de venir coller plein de morceaux comme ceci-là, de faire une cascade comme ça de morceaux que je vais ancrer. Quoique blanc, ça me choque pas. Je vais ancrer légèrement, que je vais venir coller. Et c'est le moment pour moi de tester les souris comme ça de colle de chez Action. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste quelques chutes. Alors, il me reste beaucoup de chutes de ce papier-là. Tant pis. Est-ce qu'il me reste des chutes du petit papier à fleurs que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé? Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Je fais le tour de mes chutes, mais non. Il me reste pas... Non, j'ai pas de chute de ce joli papier. Écoutez, c'est pas grave. Là, ici, je peux venir mettre ceci là avec les vagues. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, écoutez, oups, ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui, il y a grève des enseignants, donc j'attends... des nouvelles de Louis qui me disent, parce qu'on est le 2, oui, je vous dis, on est le 2, mardi 2 avril, donc ils ont annoncé des grèves un peu partout en France, dans le corps enseignant, entre autres, parce que je crois qu'il n'y a pas que, donc j'attends des nouvelles de Louis, j'attends qu'il m'envoie un message pour me dire à quelle heure il finit les courses, il faut que je vienne le chercher, etc. Ça tombe bien, je suis disponible aujourd'hui, donc je lui ai dit, si tu as besoin, tu me le dis et je viens te chercher. Donc voilà, j'avais envie, vous voyez, de coller des morceaux de papier comme ceci, après par-dessus de venir coller mes die cuts, une page très très simple, mais j'espère qu'elle fera son effet. Alors, je sais pas, vous, les vôtres, vos enfants, si il y aura des grèves ou pas chez vous. Pour l'instant, là, il est quoi, 11h? Il est en cours. Il est en cours, il a eu tous ses profs de la matinée, tous ses profs étaient là. Et ils ont annoncé dans certains, apparemment, dans certains établissements, des grèves, des cantines aussi.
Donc j'avais dit, écoute, si t'as pas cantine, tu m'appelles, hein, je viens te chercher et puis on ira manger quelque part ou je te. Enfin bref, on va pas le laisser crever, je vais pas le laisser crever de faim. Mais apparemment, nous, là où il est au lycée, il y a cantine puisqu'il m'a rien dit du tout. Voyez, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Je voulais coller. Alors là, j'ai des traces de colle. Je voulais coller ici et là des papiers. J'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler cette collection. Et en plus, je suis contente parce que suite à mon album boîte, il me reste encore un bloc. Donc, je vais pouvoir faire autre chose avec. Alors, la souris colle, je valide à 100%. Voilà. Merde. Mince, pardon. Je vais mieux en mettre partout. Voilà, je vais tout le temps utiliser. J'en ai pris plusieurs. J'ai dû dévaliser le rayon, entre guillemets. Il était plein. J'ai dû en prendre 5. Parce que je me suis dit, si je fais des pages de la journal, si j'en fais une toutes les semaines comme je voulais faire à la base, à mon avis, ça part vite. Voilà, donc là, sur la fin, là, je vais venir mettre des petits points comme ça. Voilà. Hop. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous faites aussi des pages de journal, que vous vous êtes lancé et que vous appréciez autant que moi. Voilà. Ensuite, alors je vais reboucher mon encre pour le moment. Moi, je pense que je vais finir de m'en servir. Ensuite, j'avais envie de venir mettre ce petit washi. Alors, j'espère qu'il va coller. Parce que bon, les washi de chez Action, en principe, voilà, on sait qu'ils ont du mal. Et j'avais envie de venir en mettre, je vais y arriver. Ici et là, voilà, ici et là, un ciseau, c'est mieux. Alors, excusez-moi si vous entendez mon ventre. Oui, j'ai faim. Pourtant, j'ai déjeuné, hein, mais bon. Hop. Ici et là. Voilà. Et venir remettre en haut. Alors, il ne fait pas du tout esprit asiatique, japonais, etc. J'en avais pas de washi qui correspondait. Mais je me suis dit, les bleus, il y a des petites fleurs discrètes dessus. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Ah, vous voyez rien? Si? Il y a un rayon de soleil. Alors, attendez, je vais essayer de baisser le volet. Il y a un joli rayon de soleil, mais voilà. Vous voyez, je ne veux pas en mettre plus. Ensuite, je vais venir coller donc ce qui me restait de die cut et de chipboard de cette magnifique collection de chez Stamperia. Splendide. Alors, ici, j'ai un dragon. Ici, j'ai... Ça, j'adore. Voilà, avec le personnage de Sir Vagabond in Japan. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, j'ai ça. J'en étais beaucoup. Ah, ça colle. C'est vrai que cela, il colle. Donc, celui-là, je vais venir le mettre ici. Donc là, ces deux-là, je vais venir les coller. Par contre, je peux essayer avec ma souris. Pourquoi pas? Est-ce que ça va vraiment coller? J'en sais rien, mais je peux toujours essayer. Et au pire, si je vois que ça ne colle pas, je viendrai remettre de la colle par la suite. Hop, voilà. Et puis, celui-là. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Hein. Hop. Là. Ensuite, j'aime bien, vous voyez, tous ces pots-là. Ça, là. Ça, j'aime bien. Là, les éventails. L'éventail, il n'y en a qu'un. En plus, ça colle. Vous voyez, hop. Venir coller comme ceci. J'avais fait deux projets
avec cette collection-là, dont un album assez important que j'ai vendu. Et j'ai vraiment trouvé cette collection magnifique de chez Stamperia. Voilà, là on a des fleurs de lotus. Alors, je sais pas vous, mais moi, le Japon, j'aimerais vraiment visiter ce pays-là. Un jour, si je peux, si j'ai les moyens, j'aimerais bien visiter ce pays. Ça, la Corée et le Vietnam. J'aimerais bien visiter. J'ai déjà vu des reportages ou même des gens qui, des youtubeurs qui font des vlogs, qui sont partis au Japon et qui font des vlogs et qui nous montrent ce qu'ils ont vu, etc. Pff, franchement, ça donne envie. C'est des pays qui m'attirent. Ici, j'ai une petite fleur de lotus. Excusez-moi pour le bruit. Que je peux venir mettre ici. Donc celles-ci, elles ne sont pas autocollantes. Alors, faut que je me garde pour la CC. Là, je suis en train de me dire, je colle tout, mais ben, c'est tout. Alors là, c'est tout ce qui me reste, voyez, de l'album. De la collection de chez Stamperia. Alors, il me reste pas mal de chutes. Il me reste encore un bloc 30-30, mais il ne doit pas être en entier. Donc, je pourrais refaire un projet avec vous, éventuellement, un jour. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je cherche un titre. Je cherche une étiquette que je pourrais me servir pour faire un titre. Ben voilà. Et ben voilà, ici j'ai. Attendez, hop, je prends juste la page. Vous voyez, il me reste quand même pas mal. Hein. Il me reste un petit peu du bloc 20-20, donc pas grand-chose. Mais pourquoi pas, oui, se faire un projet un jour là-dessus, avec ce qui me reste. J'ai les feuilles de riz aussi. Pour du collage. Hop. Voyez, moi, je garde tout comme ça dans un. Tout, j'ai tout mis les chutes. Les die-cuts, tout ensemble, et je range comme ça. Quand il me reste pas mal d'une collection, je range comme ça, et ça me permet bah, de retrouver assez facilement. Oui, voilà, petite astuce, petite idée. Donc là, je vais venir découper l'étiquette qui est ici, la aventure, que je vais venir coller ici. Et je pense que ma page sera terminée, et je viendrai faire à côté l'ACC, mais que vous aurez dans une ben, le lendemain en fait. Alors là, je vous ai dit, on est mardi 2 avril, mais cette vidéo, vous l'aurez pas. Vous allez dire, mais ben, on n'est pas le mardi 2 avril. Non, je la tourne le mardi 2 avril, mais vous l'aurez peut-être jeudi, mardi, ouais, jeudi peut-être, et l'ACC vendredi. Mais moi, je la tourne, je vous tourne cette vidéo donc le mardi. C'est pour ça que je vous parlais de la grève des enseignants et surtout de la grève des cantines. Voilà, donc je vais venir coller ma petite étiquette ici, là-haut. Hop. Voilà. Et je vais venir ancrer tout le tour de ma page. Parce qu'ici, j'ai pas mal de blanc. Et cette page est terminée. Moi, j'ai pas mis longtemps, hein. J'ai mis un quart d'heure. Oh là là là! Oh, je fais des bêtises! J'ai du bleu qui va se retrouver sur ma page précédente. Ah non, hein. Ma page, elle n'a pas de bleu. Donc, voilà, je viens ancrer. Voilà. Voilà! Ah, j'aime beaucoup! Là, ça ne veut pas coller. Pourtant, j'ai remis de la colle, mais ça ne veut pas coller. Non. C'est pas grave. Hein. Regardez, j'aime beaucoup. Donc, les chutes de papier de la collection de chez Action en fond.
la collection que je me suis servie pour faire la bonne boîte. Et je suis venue compléter avec des sheetboards et des die-cuts de la collection Cire Vagabond in Japan de Stamperia, une collection qui a déjà quelques années. Mais vous voyez, on est pile dans le thème et j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite. Mais j'aime bien le rendu. Je vois un peu mon washi parce que la dernière fois, j'avais mis une bande comme ça de washi sur une ACC, je crois. Et en fait, j'ai tout collé par-dessus et on ne le voyait plus du tout. Mais bon, c'était pas dramatique. Et là, on les voit. Et je trouve que les bandes de washi vont plutôt bien. Voilà. Et ben, j'ai terminé ma page. Donc, elle vient compléter. Alors, j'ai toujours pas collé mes ACC là. Elle vient compléter les trois autres. Voilà. Ça avance doucement. Donc, comme maintenant, hein, depuis la précédente vidéo, je viens coller mes ACC là à côté et je mets la date. Et vu que je fais l'ACC le même jour que je fais la page de Art Journal, alors vous l'avez le lendemain. Mais moi, je la tourne le même jour. Donc, je viendrai mettre la date pour la page, les deux pages, quand je ferai l'ACC. Alors, si vous m'avez suivi. Donc, je ne marque plus la date sur ma page de Art Journal comme j'ai fait pour les précédentes. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé cette nouvelle page de Art Journal. Donc, ça me passionne toujours autant. J'avais dit que je vous en ferais une par semaine. Je suis plus à une tous les 10 jours, là. Voilà, faut que j'arrive à jongler entre le travail, la vie de famille et puis le scrap. Mais j'arrive à vous sortir quand même des vidéos et puis à vous sortir quand même des pages de Art Journal. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos pages de Art Journal. Vous voyez, juste avec des chutes de papier, on arrive à faire quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez. Et prenez temps de scraper. Ça vide la tête. Ça fait du bien. Et moi, je vous dis à demain pour la CC qui va aller ici. Bye bye!